Sadio Mané aurait giflé, aurait bagarré avec Leroy Sané, les gars. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la polémique Mané-Sané. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo. Ici, on parle de donc Si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. C'est ce qu'on est parti. Alors, Manchester City il a gagné le 3 buts à 0. Et pendant ce temps... En cours de match, lorsque Thomas Tuchel a fait entrer Sadio Mane, parce qu'il faut le souligner, Sadio Mané a commencé ce match sur le banc. Le match de match de City il a commencé ce match sur le banc. Du coup, donc, quand Thomas Tuchel l'a fait entrer, je pense en deuxième période, à partir de la 70e, mais je ne sais plus trop. Il a entré, donc il savait donc que Sane, euh, n'a pas apprécié le comportement de Mane sur le terrain. Du coup, donc, Sane a grondé Mané et ça n'a pas plu à Mané. Mané lui a demandé des explications dans le vestiaire. Et c'est comme si ça a fini en bagarre. Je ne sais pas trop. si Selon Bilt, hein. selon le journal Bilt, c'est fini un peu avec la bagarre. Du coup, donc, je voulais revenir un peu sur cette polémique parce que, les gars, Mané, c'est un mec qu'on a connu à Liverpool. C'est un mec calme, les gars. S'il arrive à cette situation, ça signifie qu'il qu y a un problème, les gars. Mané, c'est un mec qui n'est pas le problème. C'est un mec qui n'aime pas le problème. Je vous assure, à Liverpool, c'est lui. Parfois même, il se faisait insulter, il se faisait critiquer, il ne disait rien. C'est un mec qui est hyper calme, c'est un mec serein. Parfois, parfois même, on le qualifie de trop gentil. On le qualifie de trop gentil. Donc, je ne pense pas que euh, Mané a bagarré parce que c'est un mec qui, qui est peut jaloux de sa née. Moi, selon moi, je pense que Sani lui a mal parlé. Sani lui a mal parlé et il n'a pas appris ça. C'est un humain. Il a craqué. C'est un humain. Il a craqué. Et maintenant, donc, le Bain parle d'une sanction. On parle même que le Bain veut rompre le contrat de Sadio Mané. J'espère que ça ne va pas arriver jusqu'à ce niveau. J'espère que ça va seulement se limiter aux sanctions financières. Donc, qu'est-ce que toi tu en penses Est-ce que tu penses que Mané a bien réagi Effectivement, il n'a pas bien réagi. c'est pas bien de bagarres, mais... Après, c'est humain il a craqué. Deux moi ton ressenti en commentaire par rapport à cette polémique. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Ce sont ces très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.